Aussitôt arrivé à Abidjan ce dimanche matin, que le Premier ministre de la République de Capo-Verde, en français Cap-Vert, et son homologue ivoirien ont enchaîné les séances de travail. Tête à tête entre Daniel Kablan Duncan et José Maria Pereira Nebes, suivi d'une rencontre bilatérale entre la délégation de la République de Capo-Verde et le Premier ministre ivoirien entouré de quelques membres du gouvernement. Le clou de ces rencontres, la signature de 4 accords de coopération. Il s'agit d'accords portant création des mécanismes de consultation bilatérale pour permettre aux deux pays d'améliorer leur domaine de coopération, d'accords relatifs au transport aérien, maritime et à la promotion des investissements. Je pense qu'il est très important que tous les pays peuvent travailler pour renforcer les relations bilatérales. C'est pour cela que nous sommes ici, pour travailler avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour que Cap-Vert et Côte d'Ivoire puissent avoir une relation plus proche et, je dirais, une partenariat stratégique. Cette visite de 3 jours du Premier ministre de la République de Capo-Verde, entamée au lendemain de la clôture du 44e sommet de la CEDEAO à Yamoussoukro, est le signe qu'il devient nécessaire d'intensifier les relations entre les deux pays. Signe bien perçu par Daniel Kablan Duncan. C'est important parce que les potentialités sont énormes et disons que les échanges ne sont pas au niveau des potentialités et de la volonté politique de part et d'autre. Et nous avons vu avec le Premier ministre Neves les voies et moyens pour accroître cette coopération entre nos deux pays. Des perspectives d'accord dans les secteurs de la pêche, de la lutte contre l'érosion côtière, de l'agriculture vont être étudiées. Abidjan et Praia vont aller plus loin dans leur coopération, surtout que leurs échanges commerciaux ont atteint un pic d'1,4 milliard de francs CFA en 2012.